Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, on est encore au Sable d'Olonne. On va visiter les bateaux, il y a des gens qui rigolent en face. C'est pour YouTube. On va aller voir les bateaux là. Et puis bah, demain matin, il y a Jérémy Bayou qui se pointe et on sera là. Voilà. Allez, bonne vidéo. Ciao, générique. On est d'accord, Port-Olona c'est juste derrière nous, et donc pour l'aire de camping-car c'est juste là. Enfin bon, vous regardez sur Park Fortnite, il y en a deux au Sable d'Olonne, et celui-là il est sympa, j'y suis allé l'autre jour, c'était assez sympa. Là on est là et je retourne et voilà, pour venir en camping-car l'air c'est juste là-bas, là il faut prendre à droite, tac tac, et c'est juste derrière les bâtiments qui sont là, paf. Bon, c'est pas encore le couvre-feu, donc on en profite pour vous montrer des petits bouts de cailloux et la mer. La piscine d'eau de mer des Sables d'Olonne, c'est assez sympa l'été. J'ai l'impression qu'elle est vide là. Pour vous montrer. Pardon, pour vous partager, on dit. Voilà, je voulais vous montrer les petites rues des Sables d'Olonne. On n'est pas dans le centre-ville, on est juste à côté de la gare. Voilà, on peut trouver des petites maisons de pêcheurs comme ça, je trouve ça sympathique comme tout. Ah, c'est vrai, c'est complètement ridicule. Donc on n'a pas le droit d'aller au bord de l'eau. Mais par contre, on est, je sais pas, mais il y a en tout sur le quai, allez, admettons, à vue de nez, il doit y avoir... que ça, il y a au moins 1000 personnes en face, il y en a plein aussi. Pas encore, il n'y en a pas, mais bon. Donc la dernière fois, sur la dernière vidéo, l'arrivée de Ederman et Pedot et de je sais plus comment il s'appelle, on était juste en face. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir à la Chaume. Et puis il y a des flics partout, et puis ça coûte combien quoi? Ça coûte une fortune cette histoire. Enfin bon, j'ai pas envie de faire de politique sur la chaîne, mais c'est quand même bien ridicule. C'est vrai, hein, madame? Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord. On n'a pas besoin de tout ce monde-là pour nous surveiller. Hein. Ouais, non. C'est vrai, c'est complètement ridicule cette histoire. Ouais, donc Alain, toi dans la dernière vidéo, tu étais dans le coma. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, de la gorge importante, donc
sous oxygène. Rien de drôle, pas tout ça. Et... T'as été hospitalisé combien de jours? 3 jours, dont 2 jours en réanimation. Ah ouais, carrément. Et ils t'ont filé une grosse dose de morphine, un truc comme ça? Ouais, très grosse dose de morphine, et puis c'est tout ça, et la tête un peu en vrac, bien sûr, et puis voilà, rien de drôle, le problème de gorge se fait en 36 heures à peine, et impossible de pouvoir déglutir, donc... T'arrivais plus à l'heure. Aux urgences directes. Ok. Vraiment casse-pied. Bon bah c'est bien, tu t'en es sorti. Là, bah, jusqu'à la prochaine fois. All right. Et voilà. On peut pas voir... de loin parce qu'on ne peut pas aller en face, mais il y a Agathe qui a son téléphone. Ils arrivent. Tu vois, c'est ça qui est sympa d'avoir une chaîne YouTube, tu rencontres des gens. Je suis sûr qu'Agathe à côté, elle va mettre un commentaire. Tu vas t'abonner, Agathe, ou pas? Oui, je vais aller voir la chaîne. Eh bien, tu t'abonnes, hein? Oui. Bah, comme vous, hein, d'ailleurs, derrière votre écran d'ordinateur ou votre télé. J'ai la larme à l'œil, là. Tant d'émotions. Les gendarmes, ils sont débordés, quoi. Mais c'est bien. Allez, il y en a marre, hein, de la dictature. Vivement la future révolution. Ouais, c'est une forme de révolution, hein. On a bravé l'interdit pour féliciter Jérémy Bayou. Bravo, mon gars.